Les femmes et les hommes décorés de la Légion d'honneur, natifs ou ayant séjourné dans le Puy-de-Dôme, devaient avoir une visibilité, c'est-à-dire une plaque, une rue. Et nous avons retrouvé 202 légionnaires qui montrent comment ils ont combattu dans le Puy-de-Dôme ou comment ils l'ont construit. En fait, c'est une nouvelle vision du Puy-de-Dôme, totalement originale. Et nous avons eu 16 personnes qui ont pu témoigner de la vie de leurs parents sur ce sujet-là. Vous êtes tous et toutes, chacun et chacune en ce qui vous concerne, des personnalités intéressées par ce travail qui a été conduit et qui est quelque part l'histoire de notre département. La Légion d'honneur a été instituée en 1802 par le premier consul Napoléon Bonaparte, et le point important à retenir, c'est que cette Légion d'honneur récompense les services militaires et civils. Et les deux composantes sont indissociables. S'il en manquait une, ça ne serait plus la Légion d'honneur. Cet ouvrage a été mis au point. Il est articulé en deux chapitres. Un chapitre de synthèse, et puis un autre qui donne le détail des 201 biographies. Alors, j'ai la chance d'avoir hérité à Saint-Julien-de-Gopel d'un ancien château féodal qui appartenait à mon arrière-grand-père, qui était le chef d'escadron Charles-Marie Boire-Pliesselet, qui est né d'une mère issoireau-clermontoise. Voilà, en 1914, comme il était officier de réserve, il a été mobilisé, et il est parti de Clermont-Ferrand avec une batterie d'artillerie lourde, c'était je pense du 120. Je possède une jolie lettre écrite par un instituteur qui remercie mon arrière-grand-père de leur avoir sans doute, pour une partie d'entre eux, sauvé la vie en leur faisant tourner des obus dans son usine. Mon grand-père était, en début de carrière, instituteur à Châtel-Guyon, fils d'instituteur de Saint-Gervais-d'Auvergne, et marié en avril 1914, mobilisé le 1er août 1914, et le 23 septembre, première guerre, si je puis dire, premier combat, blessure grave, et il ramène sa troupe intacte, lui, et il a été donc nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1914. Donc pour ce qui est de ma mère, elle est issue d'une fratrie de 5. Alors pour vous dire qu'il faisait partie de ma mère, donc lui faisait partie du réseau Larfeuille. Et c'était M. Joanneau qui était président, donc c'est dans la résistance, je crois que c'était Yves Gaston qui s'appelait. Il faisait partie, donc, et ma mère, sa mission était de donner les cartes, puisqu'elle travaillait à la mairie, elle, où elle a été arrêtée d'ailleurs, à Saint-Poly, à Montferrand. Donc elle a été arrêtée, c'est une date tout à fait symbolique, je reviendrai un tout petit peu tout à l'heure, le 23 février 1944. Il a fait avec son frère des études brillantes et intégré Saint-Cyr en 1940, promotion Charles de Foucault. Au moment où les Allemands ont occupé toute la France, Saint-Cyr a dit à ces jeunes gens, disparaissait du paysage et il est entré, comme beaucoup, au chantier de jeunesse. Comme vous le savez, les chantiers de jeunesse, au moment du travail obligatoire, a vu les gens s'envoler de nouveau, mais surtout vers la résistance, ce qui a été le cas de mon père, qui est passé rapidement entre les mains de la Gestapo et qui, Dieu merci, a pu combattre jusqu'à ce qu'il rejoigne l'armée régulière du maréchal de Lattre, évidemment, la première armée. En 1910, il est élu conseiller général, c'est ce que l'on disait à l'époque, du canton de Clermont-Nord, et en 1919, il est élu maire de Clermont-Ferrand. Il le restera jusqu'en 1929, là il sera battu, mais réélu en 1935, et malheureusement, juste avant son décès. Le député du Puy-de-Dôme en 1956, donc il est élu dans la dernière élection de la 4e République. Il succède d'ailleurs à l'Assemblée nationale, si on peut dire, il succède à son grand-père Jacques Bardoux, mais qui ne se représentait pas. C'est lui qui décide l'autoroute A75. Vous vous souvenez de cette décision, parce que c'est une autoroute que les Auvergnats apprécient beaucoup, parce qu'elle est gratuite. Et il crée en fait l'avenue Fontmort, puisque c'était un quartier où il y avait le magasin d'habillement de l'armée de l'air, etc. Il y avait les usines aussi
Torillon et Perpignan, etc. Et donc il rénove ce quartier et désormais la ville Fontmort porte son nom. Je crois que ça n'est que justice. Voilà, chers amis, en tout cas merci parce que votre présence justifie le rayonnement de la Légion d'honneur. Et pour nous, c'était important de rappeler l'importance de cette distinction qui montre qu'il y a des personnes de qualité qui apportent quelque chose à leur territoire.